Si Festival Djeka a eu la chance de venir ici, c'est grâce à OLTB, Office National de Tourisme Burkinabé. Parce que c'est eux, à sa cause de l'excursion touristique, qui nous ont donné le car. Donc je vais profiter de cette caméra, remercier le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est à cause du tourisme qu'ils nous ont donné le car. C'est pourquoi on a dit obligatoirement qu'il faut qu'on vienne visiter Abouchouma, visiter ce site touristique. Je vais profiter parce que c'est l'enfant. C'est un enfant de ce village qui a parrainé le festival Djeka. Il s'appelle Simon Pierre Gouem, qui est le DG des assurances. Comme la DG de la Générale des Assurances. Oui. Voilà, donc vous voyez les casquettes. Les casquettes, c'est lui qui a offert aux hôtesses. Excusez-moi. Voilà. Avec les t-shirts. Voilà, avec les t-shirts. C'est lui qui a accepté nous. Pardon. Donc on va demander au chef de remercier Gouem, voilà, Simon Pierre, vraiment qui a accepté d'accompagner le festival Djeka. Je remercie aussi le Navako, qui est le président d'honneur du festival Djeka. Je remercie aussi le ministre de la Culture qui nous a accompagnés aussi pour le festival Djeka. Il y a plein de gars aussi qui nous accompagnent, qui accompagnent le festival Djeka, le sponsor officiel Sonaza. Voilà, et plein de gars. De telle sorte que nos ancêtres, le Nava Zorgo, a décidé d'honorer la place là. Et quand il a honoré la place, alors on faisait les fétiches ici. Et entre-temps, bon, avec l'arrivée des colons là, bon, on a planté le caïcédral. Ça a été planté. Nous sommes les trouvés ici, le caïcédral. En ce temps là où nous sommes là, ici c'était de l'eau. C'était de l'eau. En permanence, toute saison. Donc, on a trouvé bon de continuer de faire les mêmes sacrifices comme nos aïeux l'ont fait. Je suis un peu plus de temps.
C'est à 19h. Je suis très content. Comme ça, ouais, comme ça. Moi, à Boudat, voilà. Le festival du Kadjiboulou. C'est la deuxième édition. Et ça sera encore beaucoup plus intéressant que l'année passée parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont attendus. Des troupes extraordinaires, 8 ou 10. Il y aura également des grandes vedettes de la chanson Bissa, puis également de la chanson du Burkina en général, qui seront là sur les scènes à la nuit de lauréat, à la grande nuit de lauréat qui est prévue pour le 27 à partir de 20h30. I'm going to go to the hospital.
Accompagner tout ce qui est manifestation culturelle, tout ce qui est activité tendant à faire connaître la culture burkinabé. Et donc, quand je vois un monde mobilisé pendant 3 jours autour de ce festival de Guéga, je ne peux qu'être un homme comblé. Je suis satisfait et je dis merci aux promoteurs du festival, merci à tous ceux qui ont contribué à ce que ce festival naisse, grandisse. Et je souhaite que les éditions à venir mobilisent davantage plus de gens que ça. Oui, c'est vrai qu'un enfant qui naît apprend à marcher, puis à courir, puis, et voilà, il devient autonome. Festival Guéga du Boulougou vient de naître et il ne faut pas lui en vouloir pour les quelques défauts d'organisation, etc. Non, nous sommes positifs, nous pensons que ce qui est fait, c'est dans le domaine de l'amélioration et je pense que en suivant les conseils, ils vont pouvoir s'améliorer et Guéga va devenir le festival Guéga du Burkina et non du Boulougou. Soya kema modini ala kera tangar ke pangau awa mergine ya ko jinno bana bana gawa ya mana na koni na koni banyanta dole ya manyanta dani wa mara ya manyanta lano wai ya ro wai chongar magna san zanga mwana bana ba komai awa na luma ala ma dani wa mara ya mama gwen mai suru mai kindir mai wati zamai dani ya mama. Bon, ce qui m'a marqué, c'est l'engouement. Voilà, on voit que vraiment les gens sont intéressés maintenant à la culture. Donc vraiment, nous, voilà,
on ne peut que vraiment continuer. Voilà, et puis bon, pour que vraiment les éditions prochaines maintenant soient meilleures que ça. C'est de les féliciter, et puis maintenant les rassurer vraiment de mon soutien. Bon, je vois que vraiment le thème est d'actualité. C'est de vraiment continuer à sensibiliser, voilà, pour que les jeunes en question, vraiment là, hein, continuent maintenant à cultiver le civisme, quoi. Voilà, leur sein, c'est très important. C'est des sentiments de satisfaction, en ce sens qu'il y a une mobilisation assez grande des fils et filles de la région. Satisfaction aussi également sur le plan artistique parce que les troupes qui sont passées rivalisent donc d'ardeur dans une saine émulation. Satisfaction au niveau aussi du contenu scientifique que le festival s'est doté avec deux conférences, notamment sur la question d'adhésion des troupes au niveau du Bureau burkinabé des droits d'auteur. Et également aussi sur la culture Bissa. Donc pour moi, c'est un festival qui a sa deuxième édition, a beaucoup de motifs de satisfaction surtout les deux. Déjà, nous avons accompagné cette deuxième édition à travers une formation, les différentes troupes, les modalités d'adhésion au niveau du Bureau burkinabé du droit d'auteur, parce que c'est très important. Vous savez, les troupes ne sont pas généralement prises en compte dans nos règlements de répartition. Et nous pensons qu'il faut travailler à ce que ces troupes-là qui participent aussi également à la consolidation de la démarche artistique de pouvoir être rémunérées au niveau donc, du Bureau burkinabé du droit d'auteur, mais également aussi d'accompagner le promoteur pour que les artistes, les différents lauréats puissent avoir des solutions palliatives en termes de production phonographique. Vous avez constaté ce soir que je suis venu avec Papus Ismaïla Zongo de Mebe Production qui est tombé sous le charme d'une artiste qui a décidé donc de la mettre en studio. Je pense que c'est comme ça qu'on peut accompagner ce festival à grandir. Mais nous allons accompagner tous les talents qui seront détectés en termes de promotion, en termes aussi d'accompagnement pour un rayonnement de la culture qui sort de la Ils ont été émerveillés de voir beaucoup de talents, non seulement en danse traditionnelle, mais aussi en chanson traditionnelle. Donc, durant trois jours, des troupes de danse et des personnes individuelles se sont rivalisées de talents et venues d'horizons divers de la province du Burundi. Sur le plan artistique, comme je viens de le dire, on a été vraiment émerveillés. Peut-être que sur le plan de l'organisation, certainement que les membres du comité d'organisation vont corriger certaines imperfections, mais dans l'ensemble, ce festival a été un grand succès. Sa Majesté Dabako, je suis le préfet de Garango. Chers invités, vous me permettez de ne pas citer le protocole et simplement dire que c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi comme parrain de la deuxième édition du Festival Djeka. Je voudrais remercier le comité d'organisation, remercier également tous les festivaliers qui ont accepté de participer à cette compétition et les encourager à pouvoir exprimer leur culture. La culture nous unit. Il est important que
lorsque nous nous rencontrons, c'est une communion. Et je pense que c'est une occasion, une opportunité que Garango soit un espace de cohésion sociale, que ce festival nous unisse davantage pour que nous puissions ensemble gérer notre culture, ne pas oublier ce que nous sommes, d'où nous venons et également voir ensemble où nous allons. On remercie encore M. Mathieu Zaré pour le don des trois trophées aux trois cantatrices. On applaudit encore pour Lenga Thérèse. Merci. À vous deux. Je dis bien sûr, le prix revient encore à Lenga Thérèse car elle a su aborder des thèmes sur le développement. Et Dakupa bien sûr intervient sur le développement ici bien sûr à Garango et bien ailleurs. On applaudit encore pour l'association Dakupa et Lenga Thérèse. On applaudit encore pour Sa Majesté le Navakoma. Et on dit grand merci à Monsieur Jean-Luc Bambara, artiste sculpteur. Merci beaucoup. Je pense que la première édition, on a fait deux jours de festival. Mais en termes de maturité, on est passé à son 12h. Donc ça veut dire qu'il y a une maturité à ce festival. Et parmi l'excursion touristique, on a créé aussi un site touristique. Aujourd'hui, par exemple, on a visité le Mont Boudou. On a découvert un autre site à Boussouma, qui est Bissia de Boussouma. Voilà, donc l'objectif de ce festival, c'est de découvrir encore les sites touristiques de la région. Voilà, donc en termes de maturité, je pense qu'on avance. Il y a d'abord beaucoup de monde. Il y a encore des découvertes de talent en plus. Et si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a un grand promoteur de la culture, qui est Papi Zongo, qui est venu découvrir un talent, un hors pair, et qu'il a décidé de la produire. Et moi, je pense que ça, c'est déjà une grande réussite pour ce festival. En termes de maturité, il y a encore des promoteurs qui s'ajoutent, qui décident à couvrir ce festival. Aujourd'hui, nous avons le projet de Bérédia, qui va peut-être se prononcer après. Un produit, c'est chaque produit pour des artistes. Et nous avons toujours à côté de nous Sa Majesté de la Rome qui nous pousse tous les jours, qui cherche encore des promoteurs, qui cherche encore des partenaires pour ce festival. Donc vraiment, je suis très heureux. Oui, je pense que le festival des Quatre doit aller de perfection en perfection. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace Barso. Oui. Nous souhaitons un jour peut-être être qu'on appelle. Et de l'autre côté, où on aura plus de 100 000 personnes. Donc, nous souhaitons que ce festival recouvre encore plus de monde et encore pour que les grands sponsors arrivent à sponsoriser ce festival. Donc, nous, je souhaite ça. Pour créer ce festival, on a pensé à un garant de la culture qui aime sa culture. Voilà. Donc, nous avons passé à Sa Majesté Navakoma. Et quand nous avons passé Sa Majesté Navakoma, quand il a vu le projet, il nous a dit « Je vous accompagne ». Et je pense que c'est par rapport aux bénédictions de Sa Majesté que ce festival va devenir le plus important. Succès, au nom de toute la hiérarchie de l'honneur de représenter ici, je déclare close la deuxième édition du festival GECA du Boulogou. Bon retour à chacune et à chacun. À la prochaine. Je vous remercie.
bambara bambara do menna asakula kuur ga be ganga padgale me sani tangar ke panga lenga mura lorayela esira waya atuya ne dara yawa ana ta gamba nami 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 ana ba boda gamba gao ana tu gamba gao ana ba boda musforo tangur wuta gamba rakyo e wuta gamba nyelaw waro ta gamba rakke ya wuta gamba nyelaw barso ya kema mo dinni ana kala tangar ke pangao awa mergele ya ko gelo bana balaga wa e ya mana na rakoni na rakoni ba nyenta dole ya ma nyenta dane wa mara ya ma nyenta lano wai ya ro wai chongar ma gna san zanga wa na bana ba ko mai awa na bana ma ala ma dane wa mara ya ma mai gwe mai suru mai kindir mai o te da